Et si la poupée la se met à bouger, je hurle. What? Salut à tous, donc on se retrouve pour la deuxième partie de Layers of Fear. Il me semble qu'on s'était arrêté là et même que j'avais ouvert cette porte. J'y vois absolument rien. Battements horribles, silence, battements constants. Mangent les autres rats? Oh, je peux allumer un... Oh, oh. Oh. L'espoir tue l'esprit. Ok, du coup on va de ce côté-là. C'est quoi, c'est un sous-sol là? Oh! Dans tous les cas, en qualité d'avocat, je vous conseille d'éviter toute action imprudente. En d'autres termes, ne faites rien de stupide. Nous avons encore une chance de gagner. Croyez-le ou non, j'ai tiré des clients de cas bien pires. Évitez de faire empirer la situation. Faites profil bas et laissez-moi faire appel au jugement du tribunal. L'assistante sociale a un faible pour vous. Nous devons pouvoir l'utiliser à notre avantage en vous décrivant comme une victime du système. Un mari en deuil, un écart de jugement temporaire, un bureaucrate trop zélé, croyez-moi, c'est notre meilleur espoir. Étant donné ce que vous avez traversé dernièrement, je nous donne un bon 50-50 d'avoir un résultat favorable. Sauf si vous continuez d'essayer de tous les convaincre que vous êtes totalement fous. C'est terminé les éclats de rage, les divagations. Encore mieux, terminé les apparences publiques. Vous pouvez encore récupérer votre fille. Fille? C'est pas de l'eau, ça. Oh, je déteste les salles de bain dans les jeux d'horreur. Je vous parie qu'il y a un truc qui va sortir de là. Voilà, oh là là là, j'avais dit quoi? Flotteur silencieux, il bouche les tuyaux. Fourrure dans l'eau, pas de bain pour moi. Ces genres de messages-là, ils sont chelous, je les comprends pas trop. Ok. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram. Oula. J'avais commencé par où déjà? Je sais plus d'où je viens. Ok. Comme ça. D'accord. Oh là là, ça donne mal à la tête ça. Je crois que j'ai un peu trop bu. C'est mieux comme ça, non? Palais sous-sol, palais sous-sol, il y a un truc qui va se lever des draps là. Oh my god. Le piano, c'est celui qui... Piano, c'est celui qui s'est refermé sur moi la dernière fois, là. J'ai envie de fermer les yeux, mais je peux pas. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Attendez, qu'on resitue un peu les choses. En fait, j'ai l'impression que le mec est devenu fou parce que il a une critique. Une mauvaise critique sur sa dernière œuvre et en fait que ça l'a un peu plongé dans ce genre de délire et du coup pour faire sa dernière œuvre j'ai l'impression qu'il s'est servi de sa femme et je pense que là on va retourner à la salle où il y a la peinture et qu'on va ajouter l'os sur son tableau.
trop forte, c'est moi qui ai créé le jeu. Ah, par contre, ça vole en éclats partout là. Oh, c'est quoi ce truc? Donc là, on a l'autre porte qui s'est ouverte. Avec l'os. Et il nous manque encore trois portes. Hors de question que j'aille là-dedans. Frank. Selfish. Delirious. Oh, oh, oh. Ok, laissez-moi juste le temps de... Oh, what? Mais je vous dis, il est impressionnant ce jeu. J'aime pas la tournure que ça prend, j'aime pas du tout. Teddy! Oh! Joyeux anniversaire! Il y a un petit nœud sur la porte. Il y avait un truc là, non? Un petit chausson? Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Histoire vraie d'ailleurs, ma mère a fait exactement la même chose, donc elle a dévalisé tous les magasins pour acheter des vêtements enfants pour filles lors de ma naissance, alors qu'elle savait pas encore le sexe du bébé. Un pouls de souris. Des points rouges foncés, les poils pas à moi. Où sont les ciseaux? Tu peux pleurer en silence, s'il te plaît? J'arrive pas à me concentrer, tu fais un peu trop flipper. You beat me again. Sometimes I wonder why I even bother. Good thing we didn't bet on it. What? What's so funny? C'est leur gamine qui a dessiné partout comme ça ou ça se passe comment? Près du buisson des murs, vers la crique d'Emeraude. Vivait une fois une canne qui était quelque peu bizarre. Peu satisfaite d'être sur la rivière juste à barboter, elle déchirait les cœurs et mâchait aussi les foies. Chelou l'histoire. Attendez, je regarde s'il n'y a rien à voir ici avant. Wow, j'ai peut-être pas envie de m'approcher de là en fait. Il parle dans notre dos. Oh, elle était énervée la petite là, elle a tagué toute la maison. Oh, tout est fermé. Ah, oh, oh, oh.
What? Oh non, pas les... pas d'enfants, s'il vous plaît. Ça, c'est horrible. Et si la poupée là, se met à bouger, je hurle. Oh, c'était une blague. Non, là, j'ai trop peur là. On peut allumer s'il vous plaît, là c'est pas drôle. J'aurais peut-être pas dû ouvrir ça, elles aussi elles vont se mettre à bouger. Oh, oh, j'aimerais vraiment pas faire ce jeu en VR. Je peux encore ouvrir les placards. Oh! Oh! What? Je suis où là? Papa est là! Et là, j'arrive. What? Mais elle traverse les murs, c'est quoi ça? Peut-être que j'essaie de courir tout droit. C'est pas drôle. Pardon. Ok, d'accord, j'ai compris, je vais tout droit. C'est bon. C'est quoi ce jeu? Attendez. Pardon. Est-ce qu'on peut... C'est une poupée ou c'est une petite fille? Oh! Donc j'ai pas bougé de pièce en fait. Attendez, je peux plus aller là, c'est ça? What? Ok. Oh, c'est beau. Je contrôle plus rien. Je vais voir un truc, je vais voir un truc, c'est sûr.
Ça, c'est le point de vue de la petite, je pense. Chut, mon bébé, la nuit est sombre. Les étoiles fuient, la chambre plonge dans l'ombre. Maman, avant, venait te border. Maintenant, elle s'en est allée. On a vu la mère sur un fauteuil roulant et je pense en fait que c'était à elle que revenait la prothèse en fait qui a mal été faite. Et donc les parents ne s'entendaient plus. Et je pense qu'elle subissait. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Ok, donc là, c'est le quatrième élément. Oh! Ok, je m'attendais à voir la chambre avec la peinture, là, mais non. Tchuss, je me casse d'ici. Maison de fou. Oulala, Oula, ça devient noir, j'aime pas ça. Tourner en rond. Oh 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 oh, allumé. Oh, oh, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Je vais éviter d'aller au fond. Hein. Ah, il y a une clé là. T'es la petite souris, attends-moi s'il te plaît. Oui, voilà. Ratatouille. Oula. Doucement. T'es trop rapide. Oui, attends. Oh bah. Ok. Attends, t'es trop rapide. Attends-moi. Oh. Tu m'emmènes où là? Oh bah. Ok. Chat, chien, rat. Ah, je suis bête. On a suivi un rat. Alors, 6, 8, 7. À en juger le silence dans toute la maison, je pense qu'il s'est enfin endormi, sans doute entouré de bouteilles vides et de lambeaux de toile, ses compagnons de couche préférés.
Chaque fois que cela arrive, je prie pour que ce soit la dernière. Je prie avec ferveur, avec passion. Seigneur qui es aux cieux, faites qu'il s'ouvre le crâne et que la pourriture en sorte. Faites qu'il s'ouvre les veines sur le ver et que la bile rouge en coule. Faites qu'il s'étouffe dans son vomi, qu'on puisse enfin trouver la paix. Car sinon, je vais finir par trouver le courage de descendre les escaliers et le faire par moi-même. Vous savez mieux que quiconque que ce n'est pas l'envie qui me manque. Amen. Donc ce serait la femme qui écrirait ça. Oh oh oh. Salut, désolé pour ce long silence. J'ai eu beaucoup de travail. Je dois dire que ta dernière lettre était troublante. Je n'en reviens pas qu'elle puisse mettre le feu à tes vieilles peintures. Pourquoi faire? Surtout la femme en noir. C'était ton hommage à elle, non? Je ne sais pas quoi te dire, sauf que tu devrais lui trouver une aide professionnelle et vite. Et pour toi aussi. Avec tout ce qui vient d'arriver, cela te ferait du bien de parler. Inutile de préciser que l'acheteur était vraiment déçu par la nouvelle. Tes nouvelles pièces ne se vendent pas aussi bien que les classiques. Bref, je vais continuer de chercher. Tiens bon et reste concentré sur ton travail. Je sais que tu peux y arriver. Je crois en toi. Ton ami et agent. Et c'est écrit ici, pas moi. Je pense qu'en fait, il n'arrivait plus à faire vendre ses peintures. Parce que il perdait la tête avec ce qui arrivait à sa femme et tout. Fucking mutt won't shut up! Hey, I can do that too. Ah, donc c'est l'objet qu'on a vu au début, je savais pas ce que c'était, mais en fait c'est une muselière. Can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Il est bourré en disant ça à son chien. Oh, 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 oh. Ok, pas si près, d'accord. Ok, ok, ok. Oh. Wow, il se passe quoi là? Est-ce que ça vaut le coup? J'ai pas vu ce qui a bougé, mais je crois que c'est ça. Je sais pas si j'ai bien mis mon micro, donc je crois que je suis en train de vous péter les tympans. Alors, cela arrive que certains artistes soient des précurseurs et deviennent donc incompréhensibles pour les critiques contemporains. Mais je ne pense pas que cela soit le cas ici. Cela fait de la peine à dire, mais, trois petits points, n'a pas progressé. J'irai jusqu'à dire qu'on assiste à une régression artistique. Va te faire foutre. Hey there, princess. What? Oh, this is daddy's medicine. Il doit parler à sa fille. Daddy's hurting. This helps the hurt go away. No, don't touch that. Oh God, I'm so. Wait, I'm sorry. I'm sorry. Oh. Je suis morte. Oh la vache. Ah. Oh là là!
je vais revoir un truc bizarre là. On descend encore plus bas là, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ta maison là? Hickory dickory dock. The mouse ran up the cock. The cock struck one. Horror ran down. Hickory dickory dock. Ok. Ok, c'est bon, je regardais pas. Pourquoi on dirait que ça vient de là? Attendez, je vais tout fouiller d'abord. What? Certaines peintures sont au-delà de tout mot et encore plus de la critique. Une connaissance basique du sujet est obligatoire si l'on veut ne serait-ce que tenter de les comprendre. Babyface est une de ces peintures. Cette anomalie artistique attire des dizaines de milliers d'amateurs, de médiocrité et de connaisseurs du dimanche en art abstrait. En vérité, elle ressemble à ce qu'aurait fait un peintre instable pendant un week-end marathon artistique, enfermé dans une cave. La peinture excelle de laideur, sans parler de l'horrible technique. Ah! 3, 6, 3. Non, 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 non.